Hey, salut tout le monde! Break 259! Et là, visiblement, vous allez devoir dealer avec ce petit crochet qui est là, on s'en fout un peu. Break 259, on va faire le mini avant, donc il y avait 18 places et top 5 gagnés. Et on peut faire ça, ce beau break-là. Après-midi, celui que j'ai fait, oh my god! Quel gros break ce fut, mesdames, messieurs. Hein? Donc, on a eu des hits par-dessus des hits par-dessus des hits. Une McDavid sur 25, la first print, auto jersey, une signature de Vejnikov, c'était l'enfer, la Wayne sur 10. Et là, aujourd'hui, là, ce soir, je décide de me gâter. J'ouvre 4 boîtes, dont 2 que je fais presque jamais, la OPC, puis la. Quand même des belles cartes dans Pitchy pour super sous-estimer. Donc on va commencer ça tout de suite là, le mini là, pour être certain. Je pense que ça, on est déjà assez. On est 21 à regarder. Deux fois c'est passé. Donc tout le monde devrait être là. 7 fois, on y va. Effectivement, Jack Hughes était. Mais c'était le bon hit de la première série 1. C'est lui qu'on voulait. Ok, on l'a eu. Ok, let's go! Et les 5 premiers remportent un spot. Phil Grenier, Sonny Dubé, Gino Lévesque, JP Petit et Dom Caron. Félicitations les gars! Félicitations les gars! Et vous allez en bas ici. Vous allez vous retrouver avec eux qui sont ici. Donc maintenant on a 28. Gino Lévesque, fait longtemps qu'on t'avait pas vu. Gino! Sonny qui avait déjà un spot, donc Sonny, je te rajoute un 2, je pense que JP Petit aussi en avait un. Sonny Dubé, 2. JP Petit en avait pas 2. Phil Grenier avait un autre spot? Phil Grenier avait pas d'autre spot. Ok, donc on commence tout de suite. On roule les dés 6 fois. Et c'est parti! Et on y va, on va aller mettre ça et on va aller voir qui que qui. Donc Dave Laroche se retrouve avec les Bruins, les Sabres, Jean-Guy Perron, la Caroline Fred Bijou. Et là dans cette boîte là, Buffalo là, c'est important parce qu'il y a Rasmus Dahlin. Il y a Elias Peterson puis il y a moi, puis il y a aussi Kotkaniemi. Donc c'est ça la série 1 là, genre de voir. Ensuite Chicago, Joe Nolan, que oui c'est effectivement ça a bien marché. Tant que tu te demandais si c'était correct, et oui ça a bien marché. Ensuite, Columbus, JP, Petit, Michael Caron, l'Avalanche, les Stars, Flep Branchaud, les Tommy qui a décidé d'y aller all-in en soir avec 4 teams, Détroit, Edmonton, Gabriel Lapointe, David Lavoie, la Floride, Sonny Dubé, qui commence avec les Kings, le Canadien, Mathieu Marceau, Phil Grenier, Nashville, Mathieu, Maxime Michaud, les Devils, Islanders, Tommy Gagnon, Bergeron, Mathieu, se retrouve avec les Rangers, Sénateur, Ottawa, Eric Leblanc, Fred Bijou, les Flyers, les Pingouins, Sonny Dubé. Denis, Cardinal, Charbonneau, se retrouve avec les Blues, le Lightning à Joe Lévesque, les Leafs à Tommy Gagnon, Steve, Robitaille, les Canucks, les Capitals à Yannick Lebel, les Golden Knights à Dom Caron. Ensuite, on a Simon Blackburn, que les Jets et les Coyotes, le Wild Ducks à Tommy Gagnon, Samuel Gauthier-Dion, San Jose Calgary. Donc, Tommy se retrouve avec 5 teams. Je pense que je vais encore dire son nom souvent à Tommy. Et là, on s'en va changer le texte ici. Pour mettre. Salut Tommy. Bonne chance à tous de sa part. Bonne chance Tommy aussi. Moi je veux des gros hits encore. J'adore ça. J'aime les gros hits. Ok. Et là je vais tasser mon clavier. Et là de plus en plus mon setup s'améliore. Là j'ai deux. C'est vraiment. J'aime ça. Là. Je commence à avoir un setup comme j'aime. Là. Donc là. On va terminer avec l'artefact. Avant ça, on va faire la ice que je vais placer ici. On va faire la OPC en premier. Après ça, on va faire la. Ah non, on va faire la série 1 en premier. Après ça, on va faire la OPC parce que la OPC, on sait qu'on a une signature, donc c'est cool. Et là, on ne sait pas si on va avoir série 1. Donc là, c'est des boîtes là, qui se font de plus en plus rares. Fait que série 1 2018-2019. Donc on peut avoir. Rasmus Dahlin, Kotkaniemi, The Young Gun notamment, Elias Peterson, Vejnikov et Carter Hart se retrouvent à la série 2. En passant, on va en avoir ça aussi bientôt.
Et on y va. On sort les paquets. Connor McDavid qui sort tout souvent ses paquets. Hein? Et JP Petty, que Columbus, mais quand même, tu l'as gagné dans un mini. Donc, si tu réussis à avoir une petite carte, le Carter est dans la série 2, il n'est pas dans la série 1. Vincent. Rodrigue. Même chose pour Vejnikov. Et Middlestat. On peut avoir les canvas. On peut avoir les canvas, par exemple. Ça, on en a certaines. Donc, on perd pas espoir. On perd pas espoir. Et là, demain, on devrait recevoir quand même beaucoup de nouveaux stocks. Donc, vous allez pouvoir, on va pouvoir breaker ensemble des trucs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas breaké. Et là, on y va à coup de 3, comme d'habitude. Hein? Comme j'aime bien faire. C'est drôle. Hein? Des fois, cette année, tous les paquets collent. Puis on est rendu en 2018-2019. Puis ils ne collent pas. Ça. Donc, bonne chance à tous. Donc, les bases ressemblent à ça. Dans la série 18-19. Bonne chance à tous, bonne chance à tous. Et on a une Stonewall pour Roberto Luongo et la Floride. Donc, petite insert ici, gardien. Le mur de briques, ça me rappelle, moi, ça me rappelle Wayne Gretzky 64. Le premier jeu de hockey qui est sorti au 64. Les gars, le goaler se transforme en mur de briques des fois. Salut Steve, j'espère que tu vas bien. Même chose pour Vincent, même chose pour JP Petit, même chose pour Tommy Gagnon et Jonathan Gingras. Ici, on a une petite 25, under 25. Donc, le premier choix en 2017. Donc, lui, il était dans la série 1 l'année précédente. Donc, 17-18. On fait la 18-19. Donc, j'avoue que je préfère les rookie retrospectives que ceux-là. Hein. On passe. Hein. Et on y va. Et, oh shit. Et on a le Brandon Point, UD Canvas ici. Donc, lui qui réussit à marquer dans un filet presque désert. Donc, pour le Lightning de Tampa Bay, Gino Lévesque. Yo, Nicolas Bélanger. Yo, Philippe Grenier. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une belle soirée. Je pense que je t'aveugle des fois le camp. Parce que des fois, c'est que j'ai pas assisté en attendant que les breaks se remplissent. Je pourrais streamer des jeux vidéo. Mais le problème, c'est qu'il faudrait que je me rajoute des jeux parce que là, ça doit faire 3 mois que j'ai pas joué à Warzone. Puis j'ai pas acheté de PS5. Donc, je pourrais jouer à NHL 2021, mais le graphique serait pas beau. C'est ma PS4. Yep, yep, yo, yo, young gun, ka, ni, mi, ça commence comme ça, ça commence comme ça, ça arrête plus, ça arrête plus. Mais oui, Montréal, Mathieu Marceau, Mathieu Marceau, yes, Perry, Kotkani et mi. Ouh, c'est chaud. Et ça commence solidex, là, on s'entend? Ça commence solidex. Et voilà. Bon, voilà. Hey, aujourd'hui, là, j'ai les mains de feu. J'ai juste sorti des gros hits aujourd'hui. Là, fait que... Je pense que c'est parti. Là. Et oui, UD Portrait Mike Smith pour les Flames. Donc, merci Nick. Oui, effectivement, je suis en forme. Phil Grenier, j'ai un snipe en or. J'ai des mitraillettes. L'autre étape après, parce que je les ai toutes en or. Et on a une Brett Alden ici, Young Gun, pour les Rangers de New York. Donc, la deuxième Young Gun s'en va à New York. Mathieu Bergeron, un autre Mathieu. Et là, demain, si je stream demain soir, vous allez voir. J'ai superbe podium qui s'en vient.
Jonathan Tessier, que vous avez peut-être déjà vu faire des breaks avec nous. Il travaille un peu le bois. J'ai demandé à me faire un petit podium, que je puisse passer mes cartes. Donc, un podium. Un podium. Un podium, ça. Un podium, genre. J'aime ça placer mes cartes en ordre, là, genre 2-3. Ça va être sharp, ça va être sharp. Under 20s, Matthew Barzal. Donc, on dirait qu'on a fait le style old school avec ces cartes-là, Dustin Byfuglien et sa coiffe. Nice afro, mon ami. David Brassard, Alex Ovechkin. Et en dessous, on va voir le mur. Keith Kirkland pour les Devils New Jersey. Stonewall. On est à 2 Young Guns sur 6. Andrew Shaw à l'époque. Et on a une Canvas Young Gun. Dominic Cahoun pour Chicago. Donc l'Allemand. Chicago. Joe Nolan. Donc notre troisième Young Gun est une Canvas. Ça veut dire qu'on va en avoir 7 là. Kotka, il mérite d'être au centre, on s'entend. Est-ce qu'on pourrait avoir une petite. Il y a Gabriel Lafointe qui dit qu'il y a enfin les Oilers. Mais. Peut-être dans la OPC, on pourrait peut-être avoir une signature out of nowhere comme on l'a eu dans la allure d'une corner McDavid. Mais les Oilers, là, pour vrai, c'est faux. C'est une équipe agréable à avoir quand il y a une méga boîte. Là, parce que là, c'est là que ça peut devenir payant. Parce que sur les boîtes qu'on a là encore, c'est une boîte pour les jeunes. Fait que c'est beaucoup les recrues qu'on va aller chercher nous autres là, avec ces boîtes-là. Mais les Oilers, je te souhaite, comme tantôt le gars qui a eu la première print sur 25 auto jersey. Notre troisième Young Gun, l'ancien capitaine Canada, Max Comtois. Anaheim! Et Anaheim, ça appartient à qui ça? Ça appartient à Tommy Gagnon! Nice, Tommy Gagnon, t'as la quatrième Young Gun, la troisième régulière. Et mais l'ancien capitaine Canada, on va le placer en avant de Brent. Ici. Et on continue. Luke Johnson, deuxième Young Gun pour les Hawks de Chicago, Joe Nolan. Donc, Montréal, Mathieu Marceau. Quelqu'un serait acheteur sur le chat, si jamais tu désires. Pas te débarrasser, mais te départir de la carte qui te revient. La Kotkaniemi, qui est au centre. Young Et on a une portrait ici de Marc-André Fleury. UD Portrait pour Vegas. Restez des bases. Vegas qui appartient à Dom Caron. Et là, est-ce qu'on va avoir une petite carte là, pour m'exciter encore là? Ça a commencé fort, faut que ça finisse fort. La Kotka, on l'a eu, on en veut d'autres. Stonewall, Jonathan Quick pour LA. Ouh, une petite update ici, Jaromír Jagr pour la Floride. David Lavoie, donc à l'époque. Quand même connu 66 points en 79 games. Il n'y a pas si longtemps pour Monsieur Jagr, qui continue à jouer au hockey. C'est quand même assez fou.
Et on a une canvas ici de Ricard Raquel pour les Ducks. Mathieu Gagnon, c'est de canvas ici. Et le reste, ce sont que des bases. Et on serait rendu à 4 Young Guns, il nous en manquerait 2. Et la canvas ne compte pas comme une régulière, mais plus comme une spéciale. Donc, une petite checklist entre gardien de but, Portrait, Rookie, Jordan Greenway pour le Wild du Minnesota. Tommy Gagnon. Et on continue ça. Et là, j'allais passer une carte. C'est juste une petite Craig Anderson. Et on a notre cinquième Young Gun. C'est une Parlin Dome pour Toronto. Tommy Gagnon. Je l'avais dit que j'allais dire son nom souvent à Tommy. Ça arrive quand t'as 5 équipes. 4 spots, dont un spot avec 2 équipes. Va bien dans ce temps-là. Et voilà. Oh, jersey! Game jersey! Jaden Schwartz pour Saint-Louis! Denis Cardinal, Charbonneau. Ça s'en va chez vous. Et le reste, ce sont que des basses. Et je vais te mettre ça tout de suite dans un sleeve. Et dans un top load. Parce que j'ai pas envie de gosser avec ça tantôt. Let's go! Let's go! Avec le shield, un genre de faux shield de la NHL. On sait que les shields, ça vaut cher. Mais bon. Finalement, c'est pas le shield. Et là, on va avoir un wall là-dessus. J'ai vu ça. Et on y va. Et on va avoir une autre Young Gun. Ça va probablement être notre dernière. C'était Yuli Portrait Braden Chen pour Saint-Louis. Et on va avoir une Young Gun. Ça va être notre dernière. Est-ce qu'on y va par en haut? Une chaîne! Chersic! Chersic ou Chersish! Pour Washington! On va passer là, pour aller plus vite. La prochaine, ça va être une dry and wall. De Ed Belfour pour Chicago. Donc, Ed Belfour! Eddie Belfour! Hall of Famer! Shane Gorsis! Pour les Capitals de Washington, Yannick Lebel. Et là, est-ce qu'on va avoir une surprise et avoir une 7ème Young Gun? Et on a-tu commencé fort avec la KK? Ouh! On a commencé ça solide. Mais bon, tantôt, c'était une par boîte qui était complètement incroyable. Ça avait commencé avec Jack Hughes. Jagger, deuxième. C'était une sœur de Jagger, mais là, ça s'en va à Pittsburgh, Sonny Dubé. 96 points en 63 games. Quel joueur. C'était une sœur Shooting Star, nice. Shooting Star Centers. En or, regardez ça, là. Doré, le centre, Connor McDavid. Sa deuxième saison, on fait 100 points. Et notre... Oh, une petite canvas ici de Nathan McKinnon. Pour l'Avalanche, canvas McKinnon. Et le reste, ce sont que des baies. C'est ce qui met fin à notre série 1. 18-19. Donc, on peut être satisfait. On a sorti un des trois Young Guns que je voulais qu'on sorte. Soit une Dallin, soit... une Kotkaniemi ou une Elias Pettersson. Et là, on y va avec la OPC Platinum ici. Donc, la dernière fois qu'on a ouvert ces paquets-là, on a eu une belle petite Orange Checker sur 15 seulement. La rookie Elias Samsonov signée. Et je voyais ça en vente. C'était fou, là. La carte se vendait comme 600$. Une Ilya Samsonov rookie signée sur 25.
Le monde des cartes me surprendra toujours. Hein? Mais c'est vrai que les rookies, c'est ce qui a le plus de valeur parce que c'est une fois dans une vie, ça. C'est une année. Les autres, c'est pas juste une année, ça peut être à toutes les années. Mais là, c'est une fois que t'es rookie. Juste une année que ton nom est marqué rookie à côté. Ok, donc on va y aller à coup de 3 paquets. Parce que si on va aller plus vite. Donc c'est des cartes qui sont chromées, un peu à la style, à la allure. Mais là, ils sont plus comme les tops au baseball. Regardez déjà, on a une petite Jesper Bovis qui a un coup de renom que je vais montrer tout à l'heure. Donc, c'est vraiment comme les tops au baseball. Donc, base, une recrue de renom, Victor Olofsson pour Buffalo et Jean-Guy Perron. Carl McCoy, Thrilling Finishes pour le défenseur. Donc, 19-20, donc ça c'est un petit insert rookie pour Colorado. Michael Caron. Jesper Bovis, qui est recrue de renom. Oh, on a une petite Rambo ici de Connor Timmins. Petite Rambo. On nous assure une signature dans une boîte de OPC Platinum. Donc j'ai hâte de voir. Et Nicolas Bélanger qui demande est-ce que. Il demande ça à tout le monde. Est-ce que Max Comtois pourrait un jour peut faire le top 6 à Anaheim? Eric Brandstrom ici, défenseur. Rookie. C'est lui qui a gelé. Oh, on commence déjà avec une. Violette Pixel sur 399, je vais y revenir, ce sera pas bien long. En attendant, je vais vous montrer la base. Je vais la même mettre dans un sleeve tout de suite, la Atkinson pour Columbus. JP Petit, les deux gars la première numérotée, toute la gang. Pour répondre à la question, je sais pas pour vrai. Pense qu'il va jouer dans la Ligue nationale, mais je suis pas sûr qu'il peut jouer dans le top 6 de façon régulière. Il l'aurait déjà fait, le 9, ça va pas bien. Donc, on sait pas, hein, t'es encore jeune. Donc, regardez la pixel ici. C'est une belle carte. Donc, la 132e sur 199. C'est certain que ça peut pas la prendre à place à Kotka. Mais on va placer en conséquence qu'on puisse voir un peu. Tiens, comme ça. On peut voir quelques pixels. Très mince celui-là, j'imagine. Je pense qu'on va. Oh non, mais c'est 4 cartes par paquet, là. Donc. Et on a une petite Carl McCarr, recrue de renom ici, que je vais enlever. Donc là, Carl McCarr, recrue de renom ici. Donc la base, c'est une base OPC. Donc c'est pas. C'est ici. Mais le step est tellement haut entre la Ligue nationale et le junior que. On dirait que mon expérience me fait dire qu'il faut pas se fier à ça non plus, mais je l'ai pas vu souvent. Je vois Tyler Rosie, recrue de renom. Une petite Rambo aussi. Regardez, donc ici, on voit comme c'est une genre de prism ou refractor, comme on dit dans la tops. Donc Rambo, Pierre-Luc Dubois, Columbus, Jamie Benn, Blake Wheeler Base, Carey Price Base, une Joël L'Espérance, Still Old School, recrue au péché. Base. Et une Sunset pour Toronto. Tommy Gagnon, une Sunset de Meyer, Morgan Riley. Et on a des bases en dessous. Donc là, j'ai hâte de voir. Je pense que je vais y aller un par un parce que. Nice, une petite Chris Letang ici, une petite insert. Petite insert numérotée, la Arctic Freeze sur 99. Donc tu as la 86e print, mon ami. Ça va marcher le focus, t'es capable. Regarde ça. 46 sur 99 pour Chris Letang à la Arctic Freeze. Et je te mets ça tout de suite dans un sleeve. Et dans un top load. On n'y est pas avec les numérotés. Hein? Et on avait deux bases. Une Dominique Kubalik ici, recrue de renom. Une Bergeron base. Une Connor Hellebuyck old school. Et une Matt Zuccarello base. Une Tobias Bierfoot pour Los Angeles.
Recrue de Renault. Une Calder Front Runner. Tyro. Hi Rosie. Pour Détroit. Un petit insert. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils ont aussi mis Ryan Peeling dans cette catégorie. Et je trouve ça hilarant. Hein? Comme si Peeling l'année passée était un Calder Front Runner. Et on y va. On continue. On est rendu à moitié. Sam Lafferty, Pittsburgh. Recrue de renom, une Jeff Skinner, Rambo aussi, pour Buffalo, Jean-Guy Perron, et on a une petite Katkaniemi qui était à sa deuxième année. On apporte les paquets, et on va surveiller qu'est-ce qu'on a ici. On va voir une Rambo en dessous. Nice, une McDavid de Rambo Old School Style pour Edmonton, et Gabriel Lapointe. Et c'est ça. Regardez, donc là. On en a une tantôt. Regardez la différence. Tantôt, on a une Brandstrom. Regardez donc. Régulière. Et là, on a la Rambo en plus. Donc, la petite Rambo ici, on a comme deux variations. Nice. Corner. Corner. Corner McDavid. Qu'il ne faut pas laisser prendre la vitesse, sinon. Et en passant, là, regardez comment les cartes sont arrondies déjà à la base. C'est un peu comme ça. Les grosses cartes comme ça, là, avec chromé, là, c'est souvent comme ça. C'est la même chose avec les Allures, c'est la même chose avec les cartes Prism au basket, les Tops au baseball. Donc, David Gustafsson, recrue de renom, Winnipeg. Adam Fox, rookie, New York, Rangers, Mathieu Bergeron et une Chris Letang base. New York. New York. Et toujours à la recherche de notre signature. Et on va avoir une petite sunset qui s'en vient. J'aime bien les sunsets. Nico Sturm pour le Wild du Minnesota. La rookie. La recrue de renom. On a une Sunset recrue de renom pour Eric Brandstrom. C'est lui, j'allais dire, c'est lui que je l'ai, puis j'ai arrêté ça là. Et je voulais dire, c'est lui que je l'ai. Jack Evans. Capo Caco, recrue de renom pour les Rangers. Mathieu Bergeron. Une Best in the World. Henrik Lundqvist, King. Henrik. Pour New York, donc deuxième carte de suite pour New York. Trevor Moore, qu'on a vu tout à l'heure. Recrue de renom pour Toronto. La Zdeno Chara, Rambo. Pour Dave Laroche et les Bruins de Boston. Et le reste, c'est les bases. Il nous reste seulement 5. Il nous reste 5 paquets. 5 paquets. Et seulement une. Il nous reste encore la signature. Donc j'ai hâte de voir. Donc la recrue de renom, Eric Brandstrom. La Victor Hedman. Lui qui est tout le temps en nomination. Chaque année pour le Trophée Norris. Comme c'est un gros joueur dominant. Une Matthew Tkachuk pour les Flames de Calgary. Une Alex Stock Base. Et est-ce qu'on va avoir notre signature? Non, mais ça reste quand même une Rambo. Une Rambo sur 99 Arctic Freeze de Monsieur Sid the Kid. Donc, très belle carte. Et on est chanceux, là. Pittsburgh, là, Sidney Dubé, une belle petite Crosby numérotée. Crosby, on le voit de moins en moins dans les cartes, hein. Donc, quand il passe, on en profite. Surtout numéroté, là. C'est rare, des gros joueurs comme ça dans des petites boîtes comme ça. Dans des petites boîtes. 36 sur 99. Nice, mon ami. Nice. C'est The Kid. Et on avait Dylan Larkin. Et là, il nous reste 3 paquets seulement. Et la signature qui se fait attendre. Et on aime ça. On aime ça. On aime ça. On aime ça. Moi, j'aime ça en tout cas. C'est bon pour le show. Mais en même temps, ça m'angoisse parce que l'autre jour, avec la SPA, qu'on n'a pas eu une signature. Je veux pas revivre ça. Une Joël L'Espérance recrue de renom.
Oh, on a une Redemption que je vais lire après, si c'est ça notre signature. On a Emil Bengtstrom, recrue de renom. Ça va sûrement être ça en plus. Nico Storm, recrue. Steel Old School pour le Minnesota. On va avoir une Pink. Mitch Marner. Une Matte Pink qui est pas numérotée. Donc. Effectivement, le chat est silencieux, mais c'est parce que je donne trop un bon spectacle. Ils sont bouche bée comme quand on mange. Quand c'est bon, on parle pas. Et là, on va aller voir notre base, notre Redemption. Ok. Donc. C'est une Platinum. Oh yeah. C'est une Platinum Rookie. Donc, je vais juste m'assurer que vous puissiez voir là. Voyons là. Oui. Alors, regardez, je vais le faire pour vous là. C'est une Max Jones. Dans le fond, ça va être une Platinum OPC Platinum Rookie Autographe de Max Jones. Donc, c'est une petite surprise pour Anaheim, Tommy Gagnon. Eh oui, je l'avais dit, Tommy qui finit toujours par tout rafler. Hein. Donc, Tommy qui a la signature recrue de Max Jones. Donc, je vais t'envoyer ça, mon ami. Je vais t'envoyer ça par la poste. Et on va mettre la petite artefact ici. Et là, dans la 18-19, tout à l'heure, on a eu la Vejnikov signée, la Ice Premier signée sur 99. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose qui accote ça? Peut-être. Une Elias Pettersson signée sur 25. Hein? Peut-être. Peut-être. Hein? Peut-être. Ok, donc. On y va. Et on a une Ice Premier là-dedans. Donc. Ben, c'est une petite Dougie Hamilton. Une variation verte pour les Hurricanes de la Caroline. Fred Bijoux. Et notre Ice Premier, c'est une Gavin Bayreuther pour les Stars de Dallas. Philippe Branchaud. Donc, première fois à Dallas là, que je dis le nom de Philippe. Donc, ta première, c'est une Premier. La 528e sur 1299. Et voilà. Puis les premières, faut pas sous-estimer. Parce que l'autre jour, là, Chris Rochon a fait grader la carte qu'il y a eu avec nous. Sa cote Kanyemi sur 99. Ice Premier. Elle est tombée PSA 10 et ça se vend au-dessus de 400 $ la carte. Mikko Rantanen, la variation verte. Et en dessous, on a une signature de Rod Laneway pour Washington. Yannick Lebel. Donc, le défenseur, la légende. Ringside Singing. Donc, est-ce que c'est. Est-ce qu'on a déjà trouvé notre signature? Peut-être qu'il y en a une deuxième, on ne sait jamais. Donc, pour Washington, le défenseur, Hall of Famer, Rod. Langway. Et ça, on va prendre la place ici. Bien évidemment, la signature, on aime ça. On va la placer. Et piquer sur une base. Ok. Désolé. Une petite 7 jaune ici. Variation verte. Et en dessous, on va avoir une petite Sub-Zero de Matthew Barzal. Le reste, c'est des bases. Pour les Islanders de New York. Tommy Gagnon. Donc, t'avais rien eu encore avec l'année 2, en voici une, Tommy, pour toi. Et dans l'artefact, j'ai hâte, là, je sens que dans l'artefact, quelque chose de gros. Puis je sens que la petite. On va avoir une petite exquisite, là. J'ai l'impression que ça va être une bonne. Une Ryan O'Reilly Green. Et on a une Noah Jolson pour Montréal. Mathieu Marceau, tu retrouves. L'ancien choix de première ronde du Canadien qui est rendu en Floride. Noah Jolson. J'aurais aimé ça qu'il fasse de quoi. J'aurais aimé ça qu'il se blesse pas autant. J'aurais aimé ça voir ce que ça aurait donné parce que c'était quand même un défenseur. Il était quand même cool. Il avait genre un petit charisme là, le fun. Et voilà. T'sais, on était prêt à Victor Mété, mais on a fait à croire à Victor qu'il était meilleur qu'il était à cause que il manquait quelqu'un à la défensive qui était supposé être Noah Jolson. Mais blessé, donc c'est ce que ça donne des fois des opportunités. On va peut-être pas avoir l'exquisite finalement, une petite John Gibson verte.
Et on a une Davantage. Le reste, c'est des bases. Pour les Islanders, la Davantage, 814 sur 999 pour les Islanders. Davantage. Et dernier paquet. Dernier paquet. On n'a pas de Exquisite. C'est pas grave. Jeff Skinner. Et on va avoir une Sub-Zero, je pense. Oh non. Nice, on a une Ice Premier. Donc seulement sur 149. Ryan Donato, 114e. Boston, Dave Laroche. Ryan Donato, pour vrai, là, il y a quand même un gros. Il y avait un gros hype autour de lui. Et ça pourrait, là. Ça, c'est une grosse carte, là, si éventuellement il arrive quelque chose. La 114e sur 149 seulement. Donc une Ice Premier. Wow, nice, pour vrai, c'est vraiment une belle carte ça. Mets la monnaie dans ma main. Et on va la mettre ici. Et on va jouer à tout attention mes affaires. Gabriel Lapointe qui demande s'il y a un autre break après. Ça se pourrait. Je sais, il faudrait que je regarde là. Parce que j'ai comme des boîtes, mais c'est parce que je pense que c'est compliqué, hein? Des fois il faut penser à demain. Puis est-ce que je peux utiliser autant de boîtes? Est-ce que je peux? Est-ce que c'est ce qui va se remplir? Est-ce que genre on pense à tout ça? Parce que là, ces temps-ci, c'est un peu plus tranquille. C'est notre troisième break aujourd'hui, là. C'est vraiment pas à chier, là, on s'entend. Là. Mais justement, on sait que c'est plus tranquille. Puis c'est plate quand ça prend genre. Là. C'est comme 4 heures remplir un break. Il y a du monde qui allait des spots à 8 heures, puis finalement on break à minuit, là, c'est un peu plat. Fait que à ces heures-là, je suis comme tout le temps réticent à partir un nouveau break en me disant merde, ça se peut, ça se remplisse pas. Mais ça, regardez, là, on va voir là. Gardez pas espoir là. Gardez pas espoir les chums. Petite base de ma certelle. On va avoir un petit morceau de jersey ici. Oh, on commence avec une Aurum. Tout à l'heure, on a eu la Aurum de Wayne Gretzky sur 10. Ouh, Martin Kaut ici. Donc, Aurum signature pour le Colorado. Ça fait deux Aurums consécutives. Assez plutôt unique. Sur 25, la 8e print. Colorado, Michael Caron. Signature Aurum, rien de moins. Nice. Et là, c'est une signature, j'aurais pas le choix. Sur 25 en plus, on va la mettre ici. On va la mettre ici. Et là, on va mettre ça là. Base. Et en dessous, on a une petite rouge de Cam Ward. Cam Ward qui fait un retour en force dans l'artefact. Ça fait plusieurs fois que je le vois là, la 269e sur 399 pour nos amis de la Caroline et Fred Bijou. Et on va avoir un autre morceau de jersey. Une base de Ryan Suter. Et là, le jersey. Ça va être un gardien. Pécariné! Nice! C'est une belle carte pour Phil Grenier. Deux couleurs, le jersey. Donc, jaune et blanc. La 36e sur 175. Pour nos amis de Nashville. Et Phil Grenier. J'ai sorti tout à l'heure toute la liste des. Série 2 qui va sortir, il y en a qui sont excitantes en tabarouette là-dedans. Ça va être le fun à breaker ça. Ça va être très le fun à breaker. J'ai hâte que ça sorte le mois de mars. C'est dans un peu plus d'un mois. Un autre jersey. Et c'est une rookie, je pense. Donc, c'est une rookie, là, je pense. Eh oui, rookie. Rookie. Et c'est une Peyton Krebs pour. Les Golden Knights, c'est Dom Caron, la 172e sur 599. Nice one. Donc, Peyton Krebs, quand il y en a un en 2021 qu'on veut avoir. Donc, un style. Il est plus grand, là, mais il a le même style à peu près que. Selon moi. Que je trouve qu'il a le même style que notre ami Brendan Gallagher. Mais il est plus imposant. Donc, ça peut être plus payant éventuellement. Et je vais le placer
Ici. Je la trouve belle quand même. Là. Dom Caron, il nous reste 4 paquets. Et là, j'ai bien l'impression qu'on va avoir une panoplie de cartes numérotées. Parce que je semble avoir utilisé toutes les jerseys, toutes les signatures qu'on pouvait avoir. On va avoir une Redemption, Wild Card, Rookie Redemption, que je vais faire tirer tout de suite après. Base Base. Vernon Point. Et une Andrei Vejnikov pour la Caroline et Fred Bijou, la 233e sur 299. Let's go. On va avoir une petite rookie. Base Base. Et là, Mathieu Bergeron qui aimerait avoir une Laffy. Je fais de mon mieux. C'est pas une rookie. C'est pas une rookie. C'est une David Pasternak, la verte sur 499. La 84e. Oh boy. Pour Boston, il reste un seul paquet. Est-ce que j'ai utilisé toutes les jerseys, toutes les signatures possibles? J'ai bien l'impression que oui. Donc, petite base de Ryan Ellis. Et qu'est-ce qu'on va avoir ici? Une Jonathan Taze. Oh, Alexander Ovechkin. Alex Ovechkin sur 75 sprints seulement. Washington, Yannick Lebel. Donc, j'avais effectivement épuisé toutes les ressources de chandail qui étaient possibles d'avoir. Et puis là, si on regarde ce que j'ai eu depuis le début de ce break-là, on parle quand même, je suis satisfait, je vous dirais. On a eu la Young Gun qu'on voulait avec la Kotkaniemi ici. Donc, Montréal qui remporte la loterie de la série 1 qu'on a ouvert. On a aussi eu. J'aime bien cette carte de Peyton Krebs sur 599, les deux Jersey Rookie, la 172e. J'aime bien la Pixel de Atkinson sur 399. La Aaron Donato aussi, sous-estimé au bout de Boston. Là. Dave Laroche, là, ça c'est précieux. La Redemption. Signature de Max Jones dans la OPC. La Sidney Crosby sur seulement 99. La Chris Letang aussi sur 99. La Maxime Comtois, la signature de Martin Kaut ici, la 8e seulement sur 25. Donc ça ici, c'est quand même un beau hit pour l'Avalanche. La signature de Rod Langway qui a pris de l'espace. J'aime ça quand un gars prend beaucoup d'espace pour signer. Donc pour la légende. Et là, je vais aller faire le tirage pour la Wild Redemption. Mais là, la Redemption, là, juste vous dire, là, ça peut être n'importe quel gars qui était dans la. Qui va être dans la série 2. Là. Hein? Ok. Ça peut être un big. Ça peut être un moins big. Une chose est sûre, c'est que ça va être un nouveau. Et on s'en va faire un giveaway avec tous les gars qui étaient dans le break. Hey! Et là, vous allez voir, je vais changer. Hey. Là, je colle tous les noms des gars. Wild Card Rookie. Redemption. On est le break numéro 159. Et on va commencer ça. 3, c'est assez. 5 fois c'est assez. On s'en va voir qui l'emporte. Et le gagnant de la Rookie Redemption Wildcard, David Lavoie. David Lavoie, ça s'en va chez vous, ça. Et on se dit à bientôt, tout le monde. Content d'avoir breaké avec vous autres à soir. Toujours un plaisir. Et demain, je vais faire d'autres secondes chances en passant. Parce qu'on était rendu juste au break 165. Et on a jusqu'à 2,40 à faire. Ouh! Ok, ciao tout le monde.